Oh. I'm sorry, I just for that. I'm sorry, I just for that. C'est pour toi. Je peux pas. Okay. Sergio. Hey, Portofly. Portofly. Gestofly. Gestofly. Vas-y, retourne-toi, Gestofly. Non, ça fait peur. Avec ta banane. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Reviens là. La vie, c'est sur ta tête de tout ce qui est. Allez, je suis une tapette. Là, c'est la seule tapette et tous les noix, je suis dans le pédale, mec. Ouais, c'est ça, ok, mais attends. Eh ben, je vous rembourse, vas-y. Va te foutre la gueule dans là-bas. Tu t'en rends pas compte ce que c'est. David, tu regrettes vraiment? Oui, je regrette. Il y a une deuxième qui est. Tu regrettes? Oui, je regrette. J'ai fait la tapette. T'as fait ta tapette. Ah, j'ai fait la grosse tapette. T'aurais aimé le faire? Non, j'aurais pas aimé le faire. J'aurais dû le faire pour. Voilà, parce que j'avais les couilles. T'aurais vibré. Non, j'aurais pas vibré. Honnêtement, j'aurais pas vibré. J'aurais fermé les yeux. J'aurais été la grosse pédale dans l'air. Et j'aurais une crise cardiaque. Mais. Les bleus. Mais tu regrettes? Oui, je regrette. Après la vérité, si je mens. L'histoire d'un gâteau qui devient juif. Yalla! Découvrez le mensonge si je dis vrai. L'histoire d'un juif qui devient gâteau. Alors Brian, tu l'as niqué la petite d'hier? T'as kiffé? Ah ouais. Attends, je te rappelle. Aïe. Oh, ouais, hey, gazelle. Oh, oh putain, il m'a niqué mes cheveux. De Jésus, comment? Ça fait mal. Mon frère, vous oubliez ça? Ah, c'est quoi ça? Merci. Mais... le mensonge, si je dis vrai. Et selon Saint-Benoît, c'est ta croix, mon frère. Dis-moi, ta copine, comment elle s'appelle? Caroline. Caroline, j'aime bien ça. Baba, viens par là, je te dis, viens. Viens par là. Dis-moi, la vérité, ta copine, j'ai un truc à lui proposer, un business, une histoire, quoi. T'as pas son 06? Mon frère, la luxure est un des 7 péchés capitaux. Ok, je m'appelle David Zenou, donne-moi 106 parce que j'ai un truc à lui proposer. Toi, tu vaux combien? Mon frère paroissien, j'ai organisé un déjeuner ce dimanche avec les Belmar. Passe donc, mais avant toute chose, passe à la boutique Jean-Eux d'élégance chasse et pêche parce que le mensonge, si je dis vrai, tu fais pitié. Dis-moi papa, ça fait pas un peu trop là? Mais non! La tendance c'est le gibier cette année, voyons! L'année dernière c'était très saumon! Bonjour Jean-Eudes! Vous allez bien? Vous êtes avec. Ah oui, c'est David! Mais qu'est-ce que c'est que ces fringues? Entrez! En tout cas, la famille Belmar. Non. Belmar. Ah, Belmar! La famille Belmar, hein, Caro. Je voulais vous remercier de m'accueillir. Non, oui. Madame Belmar, ça vous dérange si on fait les brachas, les bénédicités, tous ensemble? Non, pas du tout. Quand il reviendra, il fera grand. J'ai ramené le kit douche, hein? Le quoi? Le kit douche. Le kit douche? Le kit douche. Ah, le kit douche, oui. C'est en fait, c'est comme ça. C'est, en fait, juste. Ah, c'est pas pour la douche? C'est le kit douche. Non, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-le.
Mais bon, non. Tu se lances un bon an, mais gros dégueulasse, qu'est-ce que se passe-t-il? David, tu sais, je t'aime bien. Ouais. Je te donne un petit conseil. Si mon père prend sa pipe, c'est gagné pour toi. Caroline est à toi. C'est cool la pipe, ça. Alléluia. Mes chers enfants, Caroline, David, avez-vous pensé à m'apporter vos certificats de baptême? Un baptême? Ah non, j'ai pas. Alors, justement, Rabbi, fallait que je vous parle. Là, j'ai vu l'église, il y a des fissures partout. Moi, je vous fais venir des Polonais, on retape tout. En plus, je prends des potelets, pam, j'en mets partout, tout autour du confessoir. Caroline, en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais je peux avoir les petits chanteurs de la croix, là, la petite chorale, là, ils viennent tous chanter pour le mariage. Rassurez-vous, Caroline et David vivront heureux et auront beaucoup d'enfants juifoliques. Samuel, Léonard, Moshe, Jean-Baudouin, Rebecca, Étienne-Patrick, Joseph, Jean-Patrick Saint-Denis.